peux avoir la main chaude. Allez, il faut baisser, il faut baisser. Tu peux faire ça. Faut pas lever. Comment tu as eu ça? Tu t'appelles comment? Nombo Jean-Marie. Pardon? Nombo Jean-Marie. D'accord. Comment vous avez eu ça? Bon, c'était le lundi. Mon père m'a demandé de faire rentrer du sable parce qu'il y avait des travaux à faire dans la maison. Donc j'ai pris la boîte et fait rentrer le sable. Donc après, ça m'a donné des ampoules. Des ampoules. Voilà. Maintenant, ils m'ont dit de laisser ça, ça va se casser tout seul. Mmh. Bon, j'ai laissé jusqu'à. Bon, ça continue. Les deux autres côtés là, se sont cassés. Maintenant, celui du milieu est resté jusqu'à ça s'infecter. Hier soir, il a appelé papa. Il m'a dit de mettre de l'huile dessus. Après, je vais l'appeler. J'ai mis de l'huile. La douleur a disparu. Maintenant, aux environs de 1 heure, je dormais. Aux environs de 1 heure, ça m'a réveillé jusqu'à l'heure. Là, dormi. Tu fais beaucoup mal. Tu veux partir à l'hôpital? Non, non. Maman m'a donné des antibiotiques avec des anti-inflammatoires. D'accord. Donc, c'est depuis combien de jours? 2-3 jours. Bon, ça a commencé depuis le lundi. Depuis lundi. Donc voilà pourquoi ce matin je venais à la prière. Que Dieu vous bénisse. Qui est enflé, ça fait très mal. Sérieux? Oui. Montre-moi un peu où ça enflé. Qu'est-ce que tu peux avec? Bon, je peux appeler. C'est je n'arrive pas à fermer. Hey, c'est vrai. C'est comment tu fais? Oui. Plus on va voir. C'est comment tu fais? Oui. Comme ça? Oui. C'est même plié là qui est là ouvert comme ça. Plus on va voir mon fils, c'est ça? Oui, c'est ça qui est là. Monte bien la caméra. C'est même plié là qui est là? Oui. Je dis plie, mais là, tu dis c'est ça. Plie ça, c'est ça qui est là? Oui. Ok. Regardez comment, quand on parle de chirurgie spirituelle là, ça se passe. Quand on voit les gens opérer à l'hôpital là. Spirituellement aussi, Dieu fait des opérations. Regardez. Chaque fois que ma main va passer dessus là, il va ressentir comme si on est en train de couper sa main. C'est ce qu'on appelle la chirurgie spirituelle. On peut enlever le fibrome dans la vie de quelqu'un comme ça, spirituellement. Et il est guéri physiquement. Voilà, Dieu aussi c'est le médecin par excellence. Regardez. Plus de douleur. Il est fermé la main là, mais la ferme ça.
ça fait plus mal. Amen. C'est un miracle. Amen. C'est fini. Faut qu'on paye les suivants. Si tu avais dit pas Amen, c'est un sorcier. Amen, il y a qui d'autre encore sur la liste? Problème de menstruer, venez là-bas. Alors, problème de menstruer là. Donne-moi la fiche. Vous mangez comme ça? Pourquoi? Tu as mal au pied, tu as mis ceci? Oui. Marche devant moi un peu. Pourquoi tu marches comme ça? Tu n'arrives pas à venir marcher, marche à côté de moi. Ouh là là. Ouh, tu as mal au pied. C'est quoi qui crée ça? Hein? Tu sais pas. Tu vas à l'hôpital avec? Oui. Dis quoi? Mais quand on fait la radio, on voit rien. On voit rien à la radio. Problème de menstruer et puis douleur dans les jambes côté. Tu peux pas t'abaisser? Non. Essaye un peu, je vois un peu. Ouh là là, c'est pourquoi tu fais? D'accord. Mettez-vous là. Lord, I lift your name on high. Lord, I want to sing your praise. Jésus, Jésus, c'est lui qui peut faire, Jésus. C'est pas quelqu'un. Vas-y, vas-y, non. Jésus. Appelle-le comme si tu l'appelais des boîtes et il devait venir à Abidjan. Jésus. Voilà. Jésus. Voilà, vas-y, écoute tes forces. Troisième fois. Jésus. Quatrième fois. Vas-y. Jésus. Vas-y. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. Elie, elle est guérie. Elle est guérie de toute intimité. Et nous allons vérifier. Regardez ce qui va se passer, Église. Regardez. Enlevez les chaises. Pas dans son pied, regardez. Il y a les dieux à libérer son pied. Remarquez ensemble, regardez ce qui se passe. Il y a l'onction dans tes pieds. Marchez, madame. Tout ce que l'ennemi a semé, c'est parti. Regardez. Vous serez tellement surpris de voir ce qu'elle va faire ce matin. Regardez bien. Marchez normalement, madame. Marchez maintenant plus vite encore, je vois.
Tu as vu comment tu marches maintenant? Allons-y, marche normalement maintenant comme une parisienne. Allons-y. Ça va? Qu'est-ce que tu veux dire ce matin? Tu n'es pas combatif. Oh, on peut confirmer que tu as fait des choses? Oui. Ah, tu la connais mieux? Oui, il y a longtemps même, elle n'avait pas marché. Et ce matin, qu'est-ce que toi-même tu as vu, tu as remarqué? Oui, j'ai vu le miracle de Dieu. Tu as vu le miracle de Dieu? Oui, ça fait des années, je suis mal aimé. Mais est-ce que même marcher pour devant toi, tu vas bien voir quoi passe? Oui, fais un aller-retour, on va voir. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus au Seigneur? Donc il y a longtemps qu'elle traîne ça. Oui. C'est vrai. Combien d'années? C'est depuis au mois de juin. Mois de juin. J'étais paralysé par les reins et puis après les reins. Tu peux t'accoupler maintenant, on va voir maintenant. Oui. Allez, vas-y. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Et quand tu vas retourner sur Paris, tu vas dire que Jésus a fait le miracle. Oui. Je ne peux pas devenir habitant de Paris. Je vais conseiller à mes copines de bénéficier. Tu vas conseiller à mes copines de bénéficier. Acclamons très fort Jésus Christ. Acclamons très fort. Soyez bénis, soyez bénis. Si tu n'es pas encore né de nouveau, nous t'invitons à faire de Jésus le Seigneur de ta vie. En priant ainsi, ô Seigneur, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole dit « Quiconque confesse ce nom sera sauvé. » Je demande à Jésus de remplir mon cœur et d'être le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon âme. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. J'ai Christ en moi maintenant. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Si tu viens de répéter cette prière, félicitations. Tu es enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations, pour une meilleure vie chrétienne, veuillez nous contacter à l'adresse suivante qui s'affiche sur votre écran ou encore sur le site web www.bonjoursaintesprit.net.